Je vais te dire une chose, Steph. On va peut-être pas mettre la barre trop haut. Avant la fin de la semaine, tu rencontres la femme de ta vie. Le monde à l'envers, donne pour une gonzesse, c'est lui qui se la tape. Ah, t'es là? Excuse-moi, j'ai un petit contretemps. Ah ben, je me présente en deux mots, je suis Claudie Faucan. Je fais des photos de photos de charme, en somme. Mais c'est un peu hors contexte. On va recommencer directement? Tu sais que c'est grave parce que t'occupes pas à faire ta chatte. T'occupes pas à me faire passer pour un pervers, hein. Putain, fixe-moi ça, lui. Je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. T'es au courant qu'il y a une gamine avec des yeux de cocker dans ton coffre, là? Salut, moi, c'est JC. Bah, merci pour tout. Salut. En tout cas, celle-là, elle sait dire merci. Hein. Allô? JC? Ah, c'est toi? Je te dérange? C'est fou parce que... Pensez justement à toi, tiens. Nadine? Jean-Claude, enchanté. Ça va? Dis, je t'ai déjà parlé de la copine de Natacha? Dis donc, pas goulard! Elle vient de quitter son mari. Écoute-moi bien, Steph. Je vais te faire plaisir, tu sais. On va y aller à l'envers. Tu demanderais pas à ta femme de venir avec sa copine, Nadine? Mais d'abord, je vais donner un cours de drague assez poussé. Tu vois? D'accord? Écoute bien. Ça va du point A au point G. Faut pas essayer à tout prix d'être original. Hein. Tu vois? Ta tête est déjà originale. Faut pas surenchérir, tu comprends? Alors écoute-moi bien. Le point A, hein? Faut rester sombre. Deux. Quand tu lui parles, évite de négocier avec ses nichons. Et trois, c'est un truc que j'ai déjà expérimenté. Ça s'appelle tomber de son sus. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire.